Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans. On va parler, dans cette petite vidéo, de l'association Enfance et Espérance du Var. Vous savez que c'est un projet qui me tient à cœur. Et ce projet tient encore plus à cœur à mon épouse que je vais vous présenter, qui est l'ambassadrice d'Enfance et Espérance du Var pour le Maroc. Donc, je vais lui laisser la parole parce qu'elle a mené à bien un projet. Elle y a mis tout son cœur. Et soyez indulgents avec elle parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle prend la parole devant une caméra. Donc, je lui demande beaucoup d'indulgence et beaucoup de... Voilà. Je crois que je vais arrêter de parler, je vais la laisser parler, elle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je suis Madame Robert Tissam, je suis l'ambassadrice de l'association Enfance et Espérance du Var au Maroc. Je suis la représentante du Maroc, évidemment. Et on vient de finaliser en fait un projet qu'on a commencé, en fait financer une poussette paraplégique pour un enfant, pour l'enfant Karam de Tahla du Maroc. Et comme vous savez bien, en fait au Maroc, il y a pas beaucoup de facilités économiques pour les enfants handicapés, notamment les paraplégiques. Oui, en fait les paraplégiques et surtout les familles qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est pour ça, en fait, on a eu l'idée quand même, en fait, de s'engager, en fait, pour redonner le sourire à ce genre, ça veut dire, à ce genre de choses et redonner le sourire à ces enfants-là. Voilà, donc, c'est très important, en fait, d'être humain et on vous remercie tous du fond du cœur, en fait, parce que vous avez contribué de près ou de loin. Même une petite contribution, ça quand même... nous a permis en fait de finaliser ce projet et de redonner le sourire à cet enfant. Mais bien sûr, et cet enfant vient de recevoir la poussette hier soir. La famille était très contente, on est très content pour cet enfant parce que il est content et nous aussi on est tous contents, et parce que avec un simple geste on a réussi quand même à redonner le sourire à cet enfant là. Donc on a d'autres projets, inchallah on a d'autres projets, donc on va essayer de tout faire parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. Et toute chose vient du cœur. Je pense que Allah, en fait, nous donne la facilité et nous donne aussi le courage, en fait, d'aller le plus loin possible dans ces projets. Et voilà, donc... On regarde l'enfant et on en reparle après. Ok, ça marche. Merci beaucoup à tout le monde. À tout de suite. لا حط رجلاتك حط رجلاتك في الأرض يا ماما حط رجلاتك حط رجلاتك يا حبيبة حط مزيان دا مزيان شوف شوف هزي أكرم أكرم كرم أكرم 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 شوف فيا شوف أكرم عجبك يا حبيبي عجبك ها قول لي عجبك أولدي عجبك ها إيوا قول لي واش عجبك ها يلا دير لهم بيزو قول لهم شكرا يلا دير بيزو دير بيزو يلا دير بيزو يلا هكرم هكرم هو شوف فيهم يلا دير بيزو لخالته قول لها شكرا الرضا يخليك ليلي يلا دير باي باي دير باي باي دير باي باي دير باي باي ليلي ولدي. Voilà, on a vu ces images, pour le moins émouvantes, hein, de voir ce petit garçon
Mais franchement, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur parce que pour redonner le sourire, pour redonner la joie ou bien voir une famille heureuse grâce à certains gestes simples en fait qu'on a pu faire. Donc, il ne faut pas hésiter dans la vie. Normalement, ce que je veux dire, il ne faut pas hésiter dans la vie. En fait, si on peut offrir quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas hésiter parce que ça ne fait que du bien, que ce soit pour la personne même ou bien pour la personne qui va recevoir cette générosité. Parce que c'est quelque chose de très humain, quelque chose de très joyeux. Et finalement, tout le monde est content, quoi. Voilà. Alors, faut savoir que tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. C'est vrai. On n'est pas tous égaux dans la vie, c'est normal. Grâce à toi, grâce à toi et à tout le monde, mais grâce à toi qui as pris le projet du début à la fin, en un temps record, en moins d'une semaine, tu as réuni la somme pour acheter ce fauteuil. Pour aider ce petit garçon paraplégique, et c'est bien, c'est une bonne et chose. Et pour cela, j'en profite aussi pour remercier le président de l'association, en fait, qui a fait ses efforts aussi, en fait, pour nous trouver la poussette paraplégique, et aussi qui a travaillé, qui trouve en fait un prix qui est symbolique, en fait, pour qu'on puisse le financer, bien sûr, évidemment, parce que les choses, ça se fait pas comme ça, en fait, en cliquant les doigts qu'on peut trouver les choses, mais avec des efforts, avec voilà. Pour nous faciliter aussi le chemin pour trouver les bonnes méthodes et la bonne manière en fait pour financer certains projets. C'est pour ça que je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué de près ou de loin pour finaliser ou bien financer ce projet. Donc je suis très contente, je remercie tout le monde du fond du cœur et j'espère aussi pour s'investir à d'autres projets, bien sûr en fait pour donner encore le sourire une autre fois à une autre famille ou bien à un enfant qui a dans le besoin. Donc c'est quelque chose de très 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 important dans la vie, en fait, d'avoir un cœur et d'avoir un cœur sain qui peut aider les gens, c'est très important. Et ben voilà, donc peut-être c'est la première fois que je me vois sur les réseaux sociaux en fait pour en fait dire ce que j'ai envie de dire, hein, comme je l'ai fait aujourd'hui. Ben, merci pour tout le monde et j'espère qu'on aura aussi votre encouragement. On compte sur vous pour nous encourager, pour faire d'autres projets. Et aussi, si vous pouvez aussi aider cette association pour financer pas mal de projets, n'hésitez pas à acheter en fait le logo de l'association. Elle est pas chère, c'est 2 € symboliques. On peut sauver la vie d'un enfant ou bien d'une fille, ou bien d'un garçon qui ont besoin de nous. N'hésitez pas, surtout, on est des humains, et on peut offrir beaucoup de choses pour ces gens-là qui ont dans le besoin. Alors, bisous, et merci à tout le monde. On vous met tous les liens dans la description. Bye bye, à bientôt. Au revoir.